Bon les gars, qu'on va être millionnaire dans cette vidéo. Mais écoutez, on a du ticket là. Putain, 150 balles n'empêche. Hein. Oh. Hey, c'est Jonathan. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons peut-être devenir millionnaire. Parce que j'ai acheté 150 euros de tickets à gratter. C'est une vidéo que j'avais déjà faite plusieurs fois sur ma chaîne. Une, deux, trois, quatre fois. C'est la quatrième vidéo cette fois-ci. A chaque fois on augmente la somme petit à petit. Je crois que j'avais fait 50, 75, 100 et là 150. Pourquoi pas 200 dans la prochaine vidéo. A voir, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Bon, en tout cas, là on a pas mal de petits tickets à gratter. Et on va voir pour 150 euros combien on va récolter. Donc n'hésitez pas à mettre un max de j'aime à cette vidéo si ce type de vidéo vous plaît. Comme je l'ai dit, si ça vous intéresse une partie numéro 5, 6, je sais même plus la combienième partie c'est. Mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresse une autre partie où je teste une autre somme de tickets à gratter. Pourquoi pas faire aussi avec d'autres personnes un petit battle, je sais pas. Proposez-moi tout ça en commentaire. Bref, je vais arrêter de parler et on passe tout à la suite de la vidéo. Bon, bah 150 putains de balles de tickets à gratter. Donc là, on a vraiment un peu de tout. Ouais, on a vraiment de tout à tous les prix, il me semble. Donc on en a à 1 euro, on en a à 2 euros. J'ai pris tous les signes astro. J'adore l'astrologie, donc j'ai pris tous les signes astro. On en a à 3. On en a à 5. Pas mal de 5 aussi. Mais je me mets combien à 5 là? On en a également à 10 et un à 15 balles où on peut gagner 1 million 5. Bref, du coup on va gratter ça petit à petit. On va commencer comme d'habitude. On commence par 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros. Non, il n'y en a pas 4. À 5, 10 et 15. Combien on va récolter sur 150? On va voir ça tout de suite. Petite pièce. Porte-moi chance. Allez, on va commencer sur les goals. Du coup on a 2 goals. Allez, c'est parti. On gratte. Là on a rien, premier ticket 0, deuxième ticket c'est encore un goal, bah là pareil hein. 0, ça fait déjà 2 euros de perdu. Ensuite on va passer sur des DD. Bon là c'est rapide, c'est soit 1 euro, c'est hyper rapide à faire. Donc là c'est des DD, je sais même pas ce qu'il faut faire. Donc grattez les dés, si pour un même lancer l'addition des 2 dés est égale à 7, vous remportez le gain associé. Premier lancer, c'est perdu. Écoutez, je le sens mal cette vidéo. Deuxième ticket, 2 plus 1, 2 est égal à 4. C'est perdu. Dernier ticket à 1 euro, c'est un petit banco. Donc 0 plus 0. Perdu. Bah écoutez, là on a déjà perdu 5 balles. 5 balles. On va donc passer au ticket à 2 euros. Donc là j'en ai vraiment pas mal. J'ai pris tous les signes astro, donc les 12 signes astrologiques. Voilà, on les fera peut-être après ceux-là parce que c'est les plus intéressants, ceux qui m'intéressent le plus. Ensuite on a des pactoles, un solitaire et lui je sais pas c'est quoi. Grattez les disques vignés, si vous découvrez un ou plusieurs symboles disques, vous remportez le gain associé. Ok, bah, c'est parti, on va gratter le gros truc là. Bah écoutez, on a rien du tout. Je sens grave mal cette vidéo. Rien. Allez hop, perdu. On va passer au solitaire. Ah non, attendez, il y a un bonus là. Bah écoutez, zéro. Ensuite, on a des numéros gagnants, on a les numéros et bah du coup on voit si on gagne ou pas. Bah écoutez, c'est encore perdu. Non, ouais, on a rien du tout. Deuxième jeu, si le diamant relève plus de carats que le diamant B, on gagne la somme. Donc 16 et 21. Ah, on remporte quelque chose et on remporte 4 euros. Après, c'est un peu tout le temps les mêmes jeux. On a des numéros gagnants et on gratte en dessous, on a nos numéros et après on gagne la somme bah, qui est indiquée. C'est parti. Le 11, le 43 et le 48. 14 perdu, 12 perdu, 5 perdu, 47 perdu, 21 perdu, 16 perdu, 42 perdu, 26 perdu, 45 perdu. C'est perdu. Deuxième pactole. Et c'est encore... bah perdu. On passe ensuite aux signes astro. On a le Verseau, le Bélier, le Poisson, le Gémeaux, le Cancer, le Lion, le Taureau, le Vierge, le Bal, le Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne. Ah, on a deux fois le Lion. N'hésitez pas à me dire votre signe astrologique en commentaire. Moi, hashtag Team Capricorne. On va voir lequel des signes me fait remporter le plus. On va commencer avec les Verseaux. Ah, il y a deux fois passionné et vous me faites remporter 2 euros les Verseaux. On part sur un ticket à 2 euros. On passe ensuite avec les Béliers. Bélier, rien du tout. On passe ensuite au Poisson. Perdu. Gémeaux. La team Gémeaux, vous allez me faire gagner un peu ou pas? Les Gémeaux, et faites un effort. Les Cancers. Est-ce que vous allez me faire gagner les Cancers? Bah vous me faites pas gagner non plus. Mais c'est la misère là. Allez, on passe au Lion. Ah, Lion, on a un truc. On a deux fois le Lion. C'est parti pour 2 euros. Bah vous faites gagner que 2 euros hein. Deuxième Lion,
Et non. Capricorne. Team Capricorne. T'as intérêt à me faire gagner. Non, mais c'est quoi ces tickets là? On a fait que perdre depuis tout à l'heure. Bon, Sagittaire. Perdu. Scorpion, la team Scorpion. Allez. Allez. Ah. Ah. Oh, les scorpions là, on a deux trucs déjà. Donc ça nous fait 10 euros plus 10 euros, 20 balles. Et la team scorpion là, je vous aime. Hein. Oh, j'adore. 20 balles comme ça. Clac. Là, le sourire il revient. Ensuite, team balance. Amandine, t'as intérêt à me faire gagner. On repart sur 2 euros. 2 euros. Les taureaux. Team taureau. Qui est taureau dans ma famille? Allez, on gratte. Ah. Et vous me faites remporter. Oh, 20 euros. 20 balles en plus, c'est gling gling. Et là, sur deux signes astro, on a 40 euros. Hein. Et plutôt pas mal, le petit signe astro là. Et j'étais démoralisée. Vierge, dernier. Ma soeur et mon père, vous avez intérêt à me faire gagner. Encore un petit 20 balles, ça serait pas de refus. Perdu. Pour le moment, on comptabilise 50 euros. Franchement, on est plutôt pas mal. Allez, on va partir sur les petits tickets à 3 euros. Oh non, pourquoi ils m'ont mis ça, un mot croisé? Ça va être hyper long ça. Bref, sinon, les jeux à 3 euros, on a du Vegas, du mot croisé et vacances, je sais pas c'est quoi. On va voir ce que c'est. On va commencer par lui. Pour chaque colonne, grattez les 5 bouées. Si vous découvrez 3 fois le même symbole, vous remportez le montant du gain. Ah ok, là on a nos symboles, ok. Donc là, faut avoir 3 cocktails. Bah écoutez les gars, on a 3 cocktails, 6 euros. Et on est bien là, eh. On est bien parti pour être millionnaire, hein. Un petit soleil. Bah écoutez, on a 3 soleils. Mais wesh, c'est quoi ces tickets? J'adore. 3 euros en plus. Une petite glace. 3 glaces, s'il vous plaît. On a 3 glaces. C'est pas possible, attends. C'est bizarre, là. 3 euros encore. Allez. Dernier symbole. Parasol. Et écoutez, on a 3 parasols. On part sur un ticket 100% gagnant. Et 3 euros en plus. Ça fait 9 plus 6. 9 plus 6, ça fait combien? J'ai plus à l'école, je sais plus moi. 15 balles. On continue là, hé. Alors, les petits Vegas, c'est parti là, il y a plein de petits mini-jeux. Bon, là, il n'y a rien du tout. 5, c'est perdu. On l'a pas. On l'a pas non plus. Lui, il est perdu. Autre Vegas, 0. Bon, ceux-là, ils sont tous perdants. On continue. Perdu aussi. Allez, on continue. 0. Bon, tous les Vegas, perdus. Bon là les mots croisés ça va être hyper long donc je vais le mettre en mode accéléré. 24 hours later. Bon écoutez, je crois que celui-ci il est perdant. On augmente les lots et tout. On passe sur les tickets à 5 euros. Donc ticket à 5 euros, j'en ai pas mal. Là ils en ont fait des nouveaux, c'est des Monopoly. Ils a l'air grave bien. Donc on va tester tout ça. Est-ce qu'on a quelque chose? Bah écoutez, lui non plus, il est perdant. Allez, deuxième Monopoly. Ah mince, j'ai pas fait le jeu. Il manquait un jeu. Peut-être qu'on pouvait gagner un petit peu là. Non, non, non. Bah écoutez, non. Et ici, je crois pas non plus. Ils sont nuls ces jeux là, ils sont que perdants les Monopoly. Ensuite, passer au... lequel on va faire? On va faire les cash. Donc là, c'est tout le temps le même principe. C'est les numéros gagnants plus bah, les numéros. Et on va voir ce qu'on gagne. Donc là, on a le 14, le 11, le 25, le 40 et le 15. Ouais. Tout ça, c'est perdu. Ensuite, deuxième cash. C'est perdu également. On va passer au x20. Deux petits x20. Donc là, c'est pareil. Hein. On gratte les numéros gagnants, on les a ou on les a pas. Purée, que de tickets perdants là. On était bien parti et là, on redescend. Allez, autre. C'est perdu. Ensuite, on va passer au jackpot. Qui a 500 000 euros. Putain, ça serait pas mal, hein, 500 000 euros. Putain, ils sont tous perdants. Hein. Putain, donner 15 balles. Ensuite, c'est quoi ça? Donc c'est la pyramide. Grattez les pierres des pyramides. Si vous découvrez 3 symboles identiques alignés sur une même ligne horizontale, vous remportez le gain associé. Et non plus. Et allez. Non, c'est mort. Jeu de gratter les deux zones de jeu. Si ou un ou plusieurs des symboles sont identiques, on a les symboles. On l'a pas également, c'est 5 euros de perdu. C'est vraiment de la merde là. Hein. Le super, pareil, hein, ça avec des numéros gagnants et on gratte quoi. Oh là là, ça me saoule là. Le dernier à 5 euros. De toute façon, on n'a rien gagné, donc on peut même pas faire le deuxième jeu. Écoute, allez, c'est perdu. On va maintenant passer au plus gros ticket. Donc il reste ceux à 10 euros et à 15 euros. Donc en espérant qu'on va regagner là-dessus. Parce que là, ceux à 5 euros, c'était vraiment de la merde. Hein. Allez, on va commencer avec les millionnaires. C'est parti. Premier jeu, perdu. Deuxième jeu,
Bah écoutez, deuxième jeu, évidemment, perdu aussi. Le diamant, perdu aussi. Là, j'ai plus aucun espoir, écoutez. Hein. C'est perdu aussi. J'en ai marre. Deuxième millionnaire. Je veux être millionnaire. Et donnez-moi même 20 balles, là. C'est perdu. Nos deux dernières chances. Écoutez, lui, il est un peu long, le bingo. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord faire celui à 15. Donc là, il y a plusieurs mini-jeux. Donc, mission patrimoine, 1,5 million à gagner. C'est parti. Grattez ce site si vous découvrez 3 fois le symbole. C'est un arc. Vous remportez la case bien. Bah écoutez, on n'a pas 3 arches. Jeu 2. On a le 7, 30 euros. Ça, c'est plutôt pas mal. On va continuer, peut-être qu'on aura d'autres petits trucs. Jeu numéro 3. Gratte ce site si vous découvrez 3 fois le même montant, vous le remportez. C'est parti, on va gratter. Ah, c'est 3 fois. J'ai cru que j'avais gagné 150 000. Mais c'est 3 fois en fait le même. Putain, les enfoirés. Putain. J'ai dit, oh, j'ai gagné 150 000 euros. Mais non. Bon, jeu 4. C'est perdu aussi. Alors, nouveau, seconde chance. Gratter et flasher. Mais ça va rien me faire, hein. Là, j'ai 30 euros. Bon, en tout cas, j'espère que ça m'a pas fait perdre les 30 balles. Parce que sinon, je leur démonte la gueule et tout. Ticket perdant, non? Dernier jeu à 10 euros. C'est parti. Là, on a le bingo en fait. Bah, du coup, on a nos numéros et on va faire les cases. 24 hours later. Pour l'instant, on est à 20. Et il y a encore un autre jeu. Ok, bah, celui-ci, normalement, nous fait remporter 20 euros. Bah écoutez, on est sur un total de 115 euros. Si celui-ci me fait pas perdre, si j'ai pas fait la connerie de gratter ce putain de symbole de merde. Donc normalement, on est censé récolter, enfin je suis censé récolter 115 euros. Donc j'ai payé 150, on perd, en fait on gagne pas, on perd bah, 35 euros. Sur 150 euros de tickets à gratter, je récupère 115. Voilà pour cette vidéo, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une autre vidéo de ce genre, si vous voulez avec une plus grosse somme. Et pourquoi pas la prochaine fois avec plus de chance. Je trouve quand même qu'on s'est pas trop mal démerdé. N'hésitez pas à mettre un max de j'aime à cette vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.